Bonsoir les gourmands. C'était pas prévu, on est sur l'impro la plus totale. Sur la route du retour, après 6 heures de route, on est arrivé à Saint-Bonnet-le-Froid pour rencontrer le chef Régis Marcon. Vous allez découvrir avec moi sa maison. Pour moi, c'est une première. Eh bien, allons-y, faisons la visite. Chef Marcon, merci. Merci de vous accueillir à l'improviste. Avec plaisir. Grande aventure pour nous. On était ce matin avec le chef Patrick Bertrand. Maintenant, on est chez vous. Alors, bon. Vous nous feriez croire que Saint-Bonnet-le-Froid, c'est le bout du monde. C'est un peu le bout du monde. Oh là là. Mais j'avoue qu'on est plus près de la mer. On est descendu quand même un petit peu. Pour nous, on est descendu. On a fait 5 heures de route c'est en descente. La mer de nuages. Mais on n'a pas eu le brouillard. On a vu plein de belles choses. Donc, on n'était jamais allé dans cette région, surtout moi. J'en mets en Bourgogne, j'en mets en Ardèche, j'en mets... Donc c'est une grande découverte. Il faut sortir en France un peu. Oui, mais bon, vous connaissez le métier. Hein. Exactement. Donc quand on est dans nos maisons, on ne bouge pas trop, mais c'est magique, extraordinaire. Donc si vous pouvez nous parler un peu de votre maison. Parler de ma maison. De votre maison, de vous, de votre métier. Moi, je prends tout. Voilà, nous, on veut tout savoir. L'aventure commence ici il y a 40 ans. 40 ans. Avec un Régis Marcon et son épouse Michel, qui ne savaient pas trop. On reprenait l'hôtel-restaurant de ma mère. D'accord. Poste essence, petit bar, restaurant. Ou alors je continue dans le ski, puisque c'était aussi un de mes métiers. Donc voilà, on a démarré en 1978, en bas au village. D'accord. Commencé à faire une cuisine tout à fait simple. Bon, j'aimais bien cuisiner, donc c'était un avantage. Ça peut aider. Et puis, il y a eu un changement, je pensais en 1985, quand on a commencé à parler de notre maison, surtout Christian Millot, d'où l'importance des guides culinaires, des guides de voyage. Surtout, on en parlait tout à l'heure, un petit peu au bout du monde, donc il faut faire venir les gens. Et puis, je me suis pris au jeu, enfin, je ne sais pas si c'est un jeu, enfin, c'est une aventure, hein, de toute façon. Et ce métier m'a beaucoup amené parce que de ce village que j'aimais, passer mes racines, mais la cuisine m'a fait prendre conscience qu'on avait une nature environnante à faire découvrir. Pas que le champignon, les herbes, etc. Puis ça donne du sens à votre cuisine. Donc une cuisine qui forcément change complètement, prend une direction qui est plus une cuisine qu'on l'explique, peut-être une cuisine plus personnalisée forcément. Et puis comme tout chef cuisinier, voilà, quelques récompenses arrivent, quelques distinctions font que... Bah, maintenant, c'est une activité où nous étions, ma femme et moi, tous les deux au début. Maintenant, c'est un peu trop gros pour moi, puisqu'on est déjà une centaine de personnes, mais avec pluri-activité, hôtellerie et restauration. Et surtout, ma plus grande fierté, je pense, c'est le village. 240 habitants, un village qui, on ne va pas dire mourait, mais c'était compliqué. Il est beau ce village, on est passé, c'est le soir, il a Je ne sais pas s'il est beau, mais il est situé dans un endroit assez sympa, puisqu'on domine, on est à 1200 mètres d'altitude. Bon, c'est un peu austère comme village, parce qu'il y a quand même, on n'est pas station de ski, on est à 1200 mètres. Donc on a un peu plus les contraintes de la neige que les avantages. Ouais. Mais bon, ça nous endurcit au niveau du caractère, très certainement. Voilà, donc maintenant on se retrouve dans cette situation. Et quitte à me répéter, fier que ce village revive. Parce que finalement, nous, c'est quand même centaines de personnes qui travaillent pour nous, de collaborateurs. Et ça crée une dynamique dans le village. Il faut savoir qu'il y a quand même 7 restaurants dans le village. Maintenant 4 hôtels. Et puis il y a un dynamisme qui s'est créé autour, maintenant depuis 5 ans avec le grand spa et qui amène aussi pas mal de monde. Voilà. J'aime bien en parler parce que je crois que ça peut être l'aventure de. Dans d'autres métiers, c'est peut-être plus compliqué, mais dans les métiers d'hôtellerie, restauration, tourisme, ça permet dans des petits villages de faire revivre une activité, ben, tant mieux. Tant mieux, parce qu'on a besoin. Voilà, on est pareil au niveau d'Aise. Oui, vous êtes encore Aise, même si c'est un petit village, vous êtes quand même dans un endroit un peu plus idyllique. Oh, c'est un petit village médiéval. Oui. Ok, on a du bleu. Que j'ai hâte de découvrir encore un peu plus. On a du bleu, mais effectivement, ça crée tous ces jeunes qu'on fait venir pour travailler dans nos maisons. C'est important, il y a tellement en France de tellement beaux villages qui se meurent
par manque d'activité. Et c'est vrai que vous avez raison, il y a plus nos métiers de tourisme qui font bouger les gens et on leur dit, ben, venez nous voir. Oui, et puis, vous savez, dans les métiers, moi j'ose le dire, on donne du bonheur aux gens. On est dans une phase où les gens viennent pour passer un bon moment. Je dirais, peut-être que le métier n'est pas si... Mais quel est le métier qui est facile? D'abord, pourquoi facile? Il y a forcément un métier, il faut travailler, mais je pense qu'on en retire tellement, franchement, du bonheur. Vous savez, la chance que j'ai d'être ici, avec une clientèle qui nous suit, une clientèle nouvelle aussi, une clientèle, on a à peu près 30% d'étrangers, ce qui n'est pas énorme pour une activité comme la nôtre, mais on y prend vraiment du bonheur et c'est surtout, on crée de l'emploi, quoi. Et vous, surtout, vous transmettez de la passion. J'en ai discuté ce matin avec le chef Patrick Bertrand. On parlait de la transmission de M. Bernard Loiseau à Patrick. Oui. Mais c'est ça aussi, c'est important. Je veux dire, vous avez transmis donc, à vos enfants. C'est vrai qu'au début, alors moi je le vois de mon côté à moi parce que j'ai une fille. Au début, on ne choisit pas ce métier, c'est un métier difficile. Et petit à petit, ils choisissent les métiers qu'ils aiment, où ils sont attirés. Et vous, du moins, c'est magique, c'est que vos enfants, eh ben, ils sont là, ils prennent la relève, et ça, c'est extraordinaire quand même. Je crois que ça, il faut... C'est important d'y penser, on le fait naturellement. La transmission, c'est pas quelque chose qui un jour nous veut une boîte, et c'est la transmission, mais c'est un état d'esprit. Et on a de la chance, je crois qu'actuellement, une jeunesse qui arrive, qui sont nos enfants, qui nous ressemblent de toute façon, mais qui sont en quête de sens beaucoup plus que nous. On était des besogneux, des cascadeurs du boulot un petit peu, mais une jeunesse qui arrive, qui a envie de faire des métiers qui ont du sens, quitte à s'investir aussi. Je crois que ça, c'est la note d'optimisme. Et nous, là-dedans, ce bonheur qu'on a, il faut le transmettre, ça ne se garde pas pour soi. Non, complètement. Je crois que c'est comme ça que ça s'explique. Bien sûr. Après, chacun le fait à sa façon, suivant si on est à la tête d'une entreprise ou si on est employé, mais en même temps, c'est toujours très agréable. C'est transmettre à ses enfants, transmettre au jeune commis qui vient d'arriver et qui sera demain un futur chef comme moi. Oui, puis vous avez raison, mais en même temps, je pense que c'est leur donner les clés, parce que les jeunes qui arrivent dans le métier n'ont pas toujours les clés de connaissances, d'expérience, et c'est leur donner rapidement les clés pour pas qu'ils décrochent, parce que c'est des métiers qui peuvent, dans un premier temps, soit par des horaires, soit par des... raison. Hein. Moi, j'ai connu des jeunes qui avaient peur du client au début. Parce que voilà, ça peut être... Nous, ça nous dépasse, on a toujours vécu là-dedans, mais les jeunes qui arrivent à l'école Claire, une petite appréhension. Bah oui. Donc, il faut leur faire passer ce cap pour qu'ils y prennent un certain plaisir. Alors, pour l'avoir fait, j'avoue que c'est pas facile. Moi, j'ai eu peur au début, très oui. longtemps. Oui, puis il y a des caractères. C'est très, très peur. Ouais. Et on me disait, mais attends, tu gères du personnel, donc le client, c'est pas évident, c'est pas si non. évident que non, ça non. de passer le cap. Et moi, ça a eu de l'importance pour un chef de cuisine, un directeur de salle qui m'a fait découvrir ce métier, l'hôtellerie-restauration, parce que je l'ai appris sur dedans. Le tas. Et ben, c'est extraordinaire parce qu'on ne se rend pas compte qu'on apprend et que c'est grâce. Moi, je suis passionnée à l'heure actuelle grâce à des gens comme vous qui m'ont pris toute jeune et qui m'ont montré, qui m'ont fait goûter, qui m'ont fait découvrir les choses. Et un jour, ça devient... tellement facile, tellement logique, tellement simple, parce que c'est ça en tout cas, bien c'est sûr. Tellement simple de dire ok, bah, ils m'ont donné tellement, bah, je vais donner moi aussi, et c'est un métier extraordinaire. À qui vous le dites ? C'est un métier extraordinaire. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci. Donc j'ai noté, non vous avez noté 9-10 octobre les gourmandaises. Ah j'ai hâte parce que moi ça me parle tout ça. Ça, vous avez une fête ici de village. Et peut-être qu'on viendra nous au festival du champignon. Et ici, cette fête allait s'arrêter parce que par manque de personnes qui viennent à cette fête, et le simple fait de se retrouver à une bande de copains, se dire allez, pourquoi pas, on essaie de faire les choses peut-être les plus folles possibles, mais maintenant c'est devenu un rendez-vous incontournable du champignon. Bah, il faut, hein, on viendra voir. J'ai envie d'aller voir Rez avec ce rendez-vous. Non, mais on est des métiers de partage de passion. Mais oui, je pense que d'aller au-devant des gens, de discuter le bout, on a hâte de voir ça parce que on a besoin de ça en même temps, vous savez. C'est une partie de qualité de notre vie, il faut profiter chaque jour et la vie est belle et il faut l'apprendre. Oui. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci.